Plus au nord des Verlet, à la frontière néerlandaise, la ville de Lommel et son école sont également en deuil. 22 enfants d'une douzaine d'années et deux accompagnateurs adultes de Lommel étaient à bord du car accidenté. Leurs collègues sont sous le choc. L'évêque s'est rendu tôt ce matin à l'école pour réconforter les parents. Et j'ai vu beaucoup d'armes, beaucoup de désarroi, si on peut dire, et de questions. Est-ce que aussi notre fils, notre fille est parmi eux? On n'a pas de mots. C'est comme un des parents m'a dit, on peut que espérer et prier à ce moment-là. C'est ça aussi mon sentiment. Les deux accompagnateurs de l'école, un professeur et un employé administratif, sont décédés. Une information confirmée par le maire adjoint de Lommel. C'est toujours, chaque accident est grave, mais tellement d'enfants, c'est vraiment terrible. Et aussi, ils sont deux adultes de l'école ici qui ont été en bus. Et aussi pour eux, c'est terrible. Oui, terrible. À l'image de Lommel et de ses 35 000 habitants, c'est toute la Belgique qui va désormais se recueillir.